Le prince Harry a rendu public des emails animés qu'il a eus avec Sally Hausman. Le duc de Sussex avait anticipé l'impact qu'aurait la controverse sur le piratage téléphonique. Le prince Harry, duc de Sussex, parle d'accords passés par la famille royale avec NGN, dont un récemment passé par son frère le prince William. Le prince Harry avait entrepris des actions en justice contre divers médias, dont le newsgroup Newspaper et le News of the World. Ce dernier est fermé depuis alors que la bataille juridique que mène le duc de Sussex contre NGN, l'éditeur du Sun, se poursuit. Le mardi 25 avril 2023, les avocats du prince Harry ont révélé à la cour l'existence d'un accord entre le prince William et NGN au sujet du piratage téléphonique dont il aurait été victime en 2020. Le frère aîné du prince Harry aurait reçu une très grosse somme d'argent. Le Daily Mail du 28 avril rapporte que le prince Harry, 38 ans, a aussi rendu public des conversations par email qu'il a eues au sujet des allégations de piratage téléphonique avec Sally Hausman. Sally Hausman était la directrice de la communication de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Dans des échanges animés, l'époux de Meghan Markle avait averti le personnel du palais de Buckingham que cette histoire de piratage téléphonique ferait de la famille royale la risée de tous. Le prince Harry a révélé qu'un accord secret passé entre sa famille et NGN l'a empêché d'intervenir en justice plus tôt. Prince Harry, on fait passer l'institution pour inefficace et faible dans un courriel datant de 2018, Sally Hausman a écrit au prince Harry qu'elle avait peur d'annoncer qu'il n'y avait pas eu de réponse de Robert Thompson, directeur général de News International, rapporte le Daily Mail. Son email fait référence aux discussions que le palais avait avec NGN, l'éditeur du Sun. Je n'aurais pas peur de signaler cela, Sally, l'institution est censée être à la tête de ce dossier et on l'a fait passer pour inefficace et faible. Il faut un ultimatum, sinon cette institution et tout ce qu'elle représente deviendront la risée de tous, a répondu le prince Harry dans son email à l'époque. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.